Bonjour tout le monde, c'est-il, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite de notre parc. On va décorer tout ici pour en finir avec ce pont-tunnel. Normalement, ça doit rendre plutôt pas mal à la fin. Enfin, dans ma tête, ça rend bien. Dans ma tête, ça rend bien. Donc, j'espère que en vrai, ça va rendre tout aussi bien. Et puis voilà, après on va décorer, on va finir la zone donc des gavials ici pour pouvoir faire la transition avec ce coin-là. Grosso modo. Et puis on est bon. Puis après on aura cette belle étendue pour faire notre immense et dernier enclos dans cette zone. Et puis bah, c'est tout. Bah du coup, moi je vais vous laisser là, je vais faire mumuse et puis je vous dis à tout à l'heure.
Re tout le monde! Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a donc décoré en végétal. Oh, il y en a quand même pas mal beaucoup. J'avais pas vu ça comme ça. Ouais, mais ça fait joli. J'aime bien. De toute façon, il faudra voir avec la végétation qu'il y aura là. Si ça rend bien ou pas. Ouais, non, j'aime bien. On verra. On a fini de décorer ici. Tout là. Donc, le pont tunnel, je sais pas quoi là. Il est vraiment fini. On a aussi fini complètement l'enclos gavial avec la déco là pour faire la transition à gauche et à droite avec deux belles prairies sur le côté. Ici, faut que je finisse ici. Oh, j'ai oublié. Ici, eh ben je sais pas quoi faire. Si vous avez des idées de quoi faire dessus, je suis preneur, sachant que
Sachant que tout là, c'est le début de l'Afrique. C'est le début de l'Afrique, donc ici, je sais pas quoi mettre. Soit je fais encore une prairie, soit je fais un animal vite fait, un qui irait là. Attendez, on va voir. C'est l'Europe là, Europe, Asie. Donc on va voir ce qu'on peut mettre. Tous les continents, Europe, Asie, Océanie. Il me semble que Babyroussa, ça aime bien le sable, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'irais bien tenter. Ah, je sais. Ah, je sais. Je sais ce qu'on va faire. Vu qu'on est côté prairie ici et ici, ici on va faire une prairie encore et on va mettre un troupeau de chevaux de Prévaski. Est-ce que ça vous va ça? Ah ouais, ça ferait trop trop bien. Ça ferait trop trop bien. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Du coup là en fait je voulais que ça soit l'épicentre. Ouais mais non c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup on a fait ça, on a fait donc ça. Ah ouais j'ai trop envie de faire une plaine de chevaux de Prévaski là-bas. Ah de trop trop trop. On a commencé à décorer ici, mais en fait quand j'ai commencé j'ai fait mince, j'ai oublié de faire la délimitation de l'enclos. Donc on a délimité l'enclos et puis ici on va faire une rizière. Alors vous avez peut-être vu au début de la vidéo, enfin au début de la vidéo, enfin au début de la rizière, je me prenais la tête à faire des trous pour mettre de l'eau là. Mais en fait, vous voyez, j'ai un autre écran sur la droite avec tout plein de rizières. J'ai marqué rizière, réserve naturelle. Et en fait, quand les rizières sont pleines, donc bien vertes, on voit pas l'eau. On voit absolument pas l'eau, c'est plein. Donc pourquoi m'embêter? Je vais simplement mettre du riz en masse pour que ça fasse une rizière verte comme là, quoi. Et sachez, au cas où hein, que vous ayez des doutes, il y a par exemple Poulouang, qui est une réserve naturelle, ou parce qu'il y en a qui disent que c'est pas une réserve naturelle parce que y a trop de construction humaine ou quoi que ce soit, blablabla. Mais non, 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 je vous rassure que bah, vous tapez Pulong, réserve naturelle à rizière, vous verrez un village non seulement, mais aussi des rizières, des rouaos et j'en passe. Je pense que les gens ne savent pas trop faire la différence entre une réserve et un zoo. Et il existe des réserves où les territoires sont délimités par l'humain, on va dire ça comme ça, pour éviter que les espèces se rencontrent, pour éviter justement des carnages. Mais les gens ne sont pas au courant apparemment. Autant pour moi, hein, je vous apprends un petit truc peut-être aujourd'hui. Du coup, c'est tout à fait normal dans les réserves naturelles de pouvoir voir des constructions humaines. Ce n'est pas dramatique. Donc, je vais faire ça. J'ai regardé pas mal de rizières. Il y a des rizières qui sont magnifiques, qui font distordu partout. Mais j'ai pas assez de place là. Parce que j'aurais bien continué à la faire monter et à la faire distordre un petit peu. Mais non, on va se contenter de ça. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étages, plus un petit étage là et là. Donc je pense que ça peut être pas mal. Donc on va faire ça la prochaine fois. Ça claque, ça claque, ça claque, je suis content. On va faire ça la prochaine fois, on va décorer tout là. On va décorer aussi tout. Si, on va faire ça. Ouais, est-ce qu'on va... la prochaine fois, ça, la rizière, on a fini. Et on fait la prairie des chevaux de Prévaski. Ici, je voulais faire quelque chose de précis, mais je sais pas quoi. De passe, c'était un.
à un point entre le l'Amérique du Nord qui était là, l'Europe qui était là et l'Afrique qui était là, mais en fait non plus maintenant. Du coup, ici, si vous avez des idées quoi faire, je suis preneur. Ça peut être un animal si vous voulez, oui. Un animal. Mais là, c'est les chevaux. C'est sûr et certain, c'est les chevaux. Là, vous me dites ce que vous voulez. Faut que ça reste dans le continent Eurasie. Donc Europe, Asie, Océanie. Et puis voilà. On va faire ça. J'ai trop hâte, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer, mais non, il faut que je fasse autre chose. Donc, en tout cas, moi. Oh, il y a une. Je viens de voir à droite dans mon écran, vu qu'il y a les rizières et tout. Puis je vois des buffles d'eau et tout, etc. Mais je vois aussi des grues du Japon. Je viens de voir une grue du Japon là. Bref. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé une vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.